encore une médaille d'or pour l'équipe de France. Elle nous vient du VTT. On a le plaisir d'accueillir une championne olympique sur ce plateau. Pauline Ferrand-Prévot est dans la boîte à médailles. Ça va, Pauline ? Ça va, ça va. Elle est belle, cette médaille. Hein. Ouais, elle est super belle. Ouais, ouais. Je commence à réaliser petit à petit que ouais, je l'ai fait. Regarde, t'as reçu du courrier. Une enveloppe en or, comme ta médaille. Je te laisse ouvrir la lettre et puis nous lire la question à haute voix et y répondre. Life is a joke, really. Parce que t'as le petit lien, forcément. Ouais, j'ai un tatouage du coup avec Life is a joke. Ouais, c'est un tatouage que j'ai fait un peu dans les moments difficiles. Voilà, j'ai été blessée pendant 4 ans. Je me suis fait opérer deux fois d'une artère. Ouais. Et ouais, ça a été dur un peu mentalement et de revenir. Et là, je me suis dit, ouais, Pauline, ouais, c'est la vie, c'est une blague. C'est voilà, il faut prendre les bons, les mauvais côtés et puis toujours se battre et pas prendre trop les choses sérieusement. Donc ouais, aujourd'hui, je suis fière de m'être battue et d'avoir continué à y croire. Et d'être allé au bout de mon rêve olympique. Oui, et puis c'est vrai que ton histoire avec les Jeux Olympiques n'a pas toujours été simple. Hein. Sur tes 3 premières participations, à chaque fois, c'était en deçà de tes attentes. Exactement, ouais. Là, c'était ta dernière course en VTT. Et vraiment, on t'a senti intouchable. On avait l'impression que tu étais dans la zone. Est-ce que toi, sur ton vélo, tu as ressenti la même chose? Ah, j'étais en mission, clairement. J'étais en mission. J'étais vraiment concentrée sur mon effort et je le voulais tellement ce titre que j'avais pas le droit d'échouer, j'avais pas le droit, il fallait que je me batte physiquement, mentalement, et ouais, je suis vraiment super heureuse de l'avoir fait. Je vais te montrer une photo, Pauline. Je vais déjà la montrer à la caméra. Voilà, c'est la photo du podium. Et ouais. Moi, j'ai choisi cette photo parce que ça fait quand même des années que tout est contrôlé chez toi, hein, tu vraiment ton entraînement, tout est contrôlé pour sortir cette course, la course de ta vie. Et là, sur cette photo, il n'y a plus du tout de contrôle. Non. C'est les émotions qui parlent. Est-ce que tu peux nous décrire ce moment, Pauline ? Ouais, ça me donne encore envie de pleurer. C'est vrai que là, je réalise que ouais, il y a des années d'efforts et ça fait tellement longtemps que je le veux, ce titre, que là, je réalise que voilà, je l'ai fait, quoi. Donc, non, c'est... Tu penses à quoi, là, quand t'es sur ce podium, quand les larmes viennent, qu'est-ce qui te traverse l'esprit ? La famille, Je l'ai fait et puis... Ouais, je l'ai fait à Paris, quoi, à la maison. Ouais. S'il fallait les gagner une fois, les Jeux, c'était ici. Et j'ai tellement travaillé dur, ouais, tellement mis de choses en place. Et voilà, c'est moi, forcément, mais c'est aussi ma famille, c'est tout mon entourage qui est aussi inclus dans cette médaille. Donc c'est incroyable. Ouais. Ça fait du bien aussi de te dire, voilà, j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai tant donné de moi-même. Pour arriver à cette médaille d'or, la dernière course, c'est un peu le scénario rêvé, on dirait presque un film. Ouais. C'est incroyable, parce que ce que tu es en train de vivre là maintenant, on sent qu'il y a encore beaucoup d'émotions, même le lendemain. Non, clairement. Et voilà, je commence encore plus à réaliser maintenant. Et je pense aussi avec la fatigue que tout retombe. Donc là, je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais non, ça fait du bien, parce que mes émotions, j'ai aussi gardé ces derniers mois. Parce que j'avais pas le droit de craquer, il y avait plein de fois, c'était dur. Et j'avais dit, non, si tu pleures pas, Pauline, t'es forte. Et voilà, hier j'étais un peu moins forte sur le podium. Une dernière question, Pauline, quand même, parce que ça m'intéresse. T'as décidé depuis cet hiver d'être suivie pour la première fois de ta carrière par psychologue, psychothérapeute aussi. En quoi ça t'a aidé à remporter cette médaille d'or? Ça a été essentiel, ça, pour décrocher cette médaille? Ouais, ça a été, je pense, ce qui m'a fait gagner cette médaille. C'est vrai que mentalement, on l'a vu hier, j'étais invincible. Et ouais, j'ai gardé mes émotions, j'ai appris à contrôler mes émotions et ouais. C'est beau. Bravo Pauline, en tout cas, championne olympique. Ouais. Tu vas pouvoir le dire, c'est à vie, hein, c'est un titre qui reste à vie. Donc bravo à toi. La petite photo traditionnelle pour finir. Allez, prends la pause, tu le mérites. Tac. Super. Impeccable. Merci beaucoup Pauline. Merci. Et faites bien cette médaille encore et encore. Merci. Impeccable. Super.